Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve pour le Edward Philippe Summer Camp sur V-Rising. Les aventures d'un incroyable ancien premier ministre qui a décidé d'accepter sa nature réelle de vampire. Qui vient pour rétablir toute la pleine puissance du port du Havre. Après la pleine puissance du brocoli, la pleine puissance du port du Havre. Ah oui, mais alors j'avais dit qu'il fallait que je fasse du farming, parce qu'on s'emmerdait, et je l'ai jamais fait. Ah, ça va être problématique ça, hein. Ok. Ah. J'espace. Ah oui. Ah oui, alors j'avais dû... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais dû mettre mon cercueil dehors. Il est possible que peut-être... J'ai dû mettre mon cercueil dehors. Because... Because... Le mec d'or à la belle étoile. Non mais parce que je n'ai pas le coffre de pierre. Enfin le cercueil de pierre. Alors du coup ça fait des histoires. Ils veulent pas que je le pose dans le château. Ah non mais quand même c'est un monde quoi. Je vais récolter le fruit de mon dur labeur là. T'as pas peur de te faire piquer par les moustiques? Non, je suis conservé dans ma boîte isotherme. Tout va bien. Je suis conservé dans ma glacière personnelle. Is ok. Is ok. Mais je sais pas si j'ai tellement besoin de... Je sais pas si j'ai tellement besoin de ça. Ah oui, alors d'ailleurs, merci beaucoup à Just Bobby et à OmegaZX127 pour les follow. Merci à vous. Je vais déposer mes merdes, hein. Je vais déposer mes merdes. Je vais peut-être garder un peu de boys, on sait jamais. Toutes ces conneries, là. Ah bah attends, les minerais de cuivre, je vais le foutre. Ça, c'est pareil. Minerais de cuivre, je vais le mettre dans le... Dans le bousin, là. Après, les moustiques, c'est pas si pire que ça. Au moins, pas besoin de leur caresser la tête quand ils... Oh non! Oh non, non, non! Yamete, monsieur Thor. Yamete. Ok, alors... il fallait que j'aille choper... Ah oui, alors il fallait que j'aille farmer des trucs dans un cimetière. Je me rappelle... J'avais le truc du cercueil de pierre. Alors, les briques de pierre, c'est bon. Par contre, la poussière de tombe. Il faut que je la farme. Il fallait que j'aille casser la gueule à Jean-Jacques. C'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait que j'aille casser la gueule à Jean-Jacques au cimetière. Cimetière profané, ouais, voilà. Ça va être chiant. Ça va être chiant au possible. Un peu backseat, oui, vous pouvez. Mais pas trop. Pas trop, sinon je vais m'énerver. Pour des raisons plus qu'évidentes, hein, bien sûr. Je peux fabriquer ta poussière normalement. Ah bon? Ah! Oui, mais il faut quand même que j'aille casser la gueule. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le lien du sang, ça peut être bien. Alors, c'était quoi? C'était contrôle, la forme de loup. Il faut quand même que j'aille casser la gueule à Jean Michemuche, là. Il fallait quand même que j'aille casser la gueule à Jean Michemuche. C'était un objectif de quête. Mais du coup, comment je peux la fabriquer? Hôtel de sang, et c'était ce connard là qui était insup. Qui m'avait bien pété le fiac la dernière fois. Oh la vache, ce qui m'avait mis le man. Ce qui m'avait mis le man. Sur l'outil pour faire les pierres. Ah! Ok. Ok, ok, bah je vais casser la gueule à Jean Michemuche et puis on résoudra ça après, du coup. Ça me va. Alors, Doudou Philippe... Ah non, mais il est là, je me suis trompé de direction. Ah, c'est là, le cimetière. Oui, c'est là. C'est complètement là. C'est complètement ici. Mais il aurait peut-être fallu que je passe par le petit camp, là, parce que je vais être à court de sang assez vite. Et je vais refaire le camp, là, pour voir si je peux pas trouver un petit bandit à savate, là. Oh, c'est naze, hein. Putain, c'est nul. Oh, la descente d'organes. Vas-y, vas-y, viens là, viens, mon pote. T'as besoin de te mettre un truc sous la dent? Oui. Oui, bah, j'ai plus grand-chose, là. Donc, il va falloir que je fasse un effort à un moment. Au bout d'un moment, quoi. Ça va commencer à se voir, ça.
C'est un sketch. Pourquoi elle apparaît là, cette connasse? Non mais j'y peps. Je voulais juste aller casser la gueule au bandidos, moi. Aux petits potes, là. Je sais plus où ils étaient, d'ailleurs, les petits potes. Ah si, c'est ça, c'est ça leur camp, il me semble. Je vais faire le tour, c'est pas grave. Faire un peu le tour, et puis on va aller... On va aller leur chercher des noises, ça va être bien. Oh, bah voilà, parfait. Parfait, voyou, 142%, c'est pas mal. C'est honnête. Ça me donne quoi comme bonus, du coup? Tu voulais casser la graine, tandis que peut te casser les noyaux. Exactement. Exactement, monsieur Thor, vous avez tout compris. Bon, c'est pas dingo non plus, mais on va prendre. On va prendre parce qu'il y a que ça. J'aurais dû mettre la forme de loup pour avancer, mais c'est pas grave. No problem. Mais je vais casser la gueule en mode d'accord. À main nue, quoi. Le schlag Doudou Philippe. Oh, incroyable. Les aventures de Doudou Philippe, ça c'est beau, ça. Ça c'est sexy, ça c'est vendeur. Putain, elle va me saouler, elle. Hein. Elle va me faire chier parce qu'elle va radiner. Il faut que j'attende qu'elle se barre. Je peux ressentir la présence de ma proie au loin. Waouh. Parce que, hey, je l'ai déjà saigné, mais elle est relou. Si je peux éviter d'avoir à m'en occuper une deuxième fois, ça m'irait. Donc je vais la laisser se barrer, gentiment, là. À la recherche du pur pur sol rapacheur. D'accord. Ah merde, mais je tape l'arbre. Aucun rapport. Ok. Alors là, ça va être passablement casse-couille. Il faut que j'arrive à bolosser ses potes d'abord, parce qu'après sinon ils me font des invoques dans tous les sens et c'est la fête du zip. Alors ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Tranquille, tranquille. Pas de panique, surtout pas de panique. Barrez-vous, con de mime. Ok. Merde, ça fait radiner son pote ou pas? J'ai pas vu. Non, ça a pas l'air. Ok, donc je vais faire les deux autres... les deux zouaves là. Pareil, le magot, hein. Le magot, on aligne. Hein. Il va faire ses invoques de merde, là. Voilà, c'est bien. Amuse-toi bien, Meurthe et Moselle. Aïe. Mais arrête, t'es chiant! Il va se barrer, oh non! Ah oui, c'est vrai que j'ai le tourbilol! J'avais oublié ce bail-là. Non mais reviens, t'es chiant! Pro tips, l'épée a une bonne AOE. C'est vrai que l'épée, c'est pas mal quand même. Vas-y, je le savate, voilà. Ok. Je vais me soigner, obviously. Et puis de là-haut, je vais en avoir besoin parce que là, il va en invoquer des milliards de man. Et ça va être ultra chiant. Lui, il en invoque vraiment la foultitude. Autant dire qu'il est vite casse-couille. Putain, mais c'est qu'il a une vie de... Il a de la vie, ce con. Oh, putain, mais j'ai pas le niveau. J'ai juste pas le niveau contre eux. Bien sûr. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai le tourbilol. I forgot about the tourbilol. Ok. C'est chiant, c'est chiant.
Merde, j'aurais pas dû faire ça, c'était con. Ah, il me suit, d'accord. Bah vas-y, hein. Oh, bâtard. Non, 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 non. Je suis dans une merde, là. Je suis dans une marde. Ouais, c'est bien, casse-toi. Oh là là, je sais pas comment je peux le doser, lui, hein. Ah ça peut être intéressant ça. Par contre du coup je vais plus avoir de sang. Ah mais ça va être une catastrophe pour le bolos. Ça va être juste trop relou quoi. Comment je peux faire pour lui péter sa gueule À poussière de tombe, ouais c'est bien ça. Ah, je peux aussi me dire que je gagne de la vie en... Je pète des tombes. Et on récupère pas de poussière de tombe là, comment ça se passe? Ah si, quand même. J'en ai pas beaucoup. Ah c'est naze hein. C'est globalement assez naze hein. Ok. Parce que ces sbires, ça me pose pas de problème, mais lui, j'arrive pas à le tabasse du coup. Et ça, c'est plus problématique déjà. Putain, mais j'en drop pas, c'est chiant. Putain, c'est de la marde. Mais viens là mon pote. Viens là qu'on discute toi et moi. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Faites quoi? Faut que j'arrive à attirer ses potes Il revient. Mais c'est une blague? Il y a le cercueil à ouvrir et des fois il y a des bons trucs dedans. Ah, l'autre cercueil là-bas tu veux dire? Ah, y a moyen, hein, y a moyen, je vais aller voir. Oui, il y avait un cercueil, effectivement, il y a un cercueil là. Putain, c'est vrai, con. Con de Mims. Ok. De la peau. De sarco, enfin le sarcophage. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, monsieur Thor. Le famoso sarcophage. Ouais, d'accord. Oh, le jeu qui crache. Réellement. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Il m'a jamais craché à la gueule, le Gemu. Allez, c'est parti pour le K à 60 FPS, c'est pas grave. Non, c'est pas GeForce Experience que je veux. C'est le panneau de configuration, évidemment. Allez, c'est y part. C'est quoi? Ah, c'est la pochette de Switch. Il fait de la lumière, là. Alors, V-Rising. 100%, il y a une mise à jour qui fout la merde. Ça, c'est certified, évidemment. Ok. J'espère que le crash fout pas trop la merde quand même. Sinon, j'ai un peu le démon, je vous le cache pas. D'accord, une mise à jour, ok. Une erreur a eu lieu pendant la mise à jour. Ok, d'accord. Pourquoi le jeu est encore lancé? D'accord. Je relance le GameU. J'échoue.
Accessoirement, j'ai chaud. Ouais, c'est bien. Il faut que je maintienne pour passer. Voilà. Allez. Tu peux le faire, tu peux le faire. Attends, faut peut-être que j'ouvre le panneau parce que peut-être que l'ordi a chaud aussi. Il va me remettre où? Bah oui, évidemment, il va me refoutre là. Connard! RIP, mais non, mais c'était sûr en fait. Voilà, mais c'était sûr en fait! Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! J'ai un peu le début. Je suis mort où? Je suis mort là, bah ça va être au cercueil. Hein. Repousse une pièce, tout à fait. Ah putain, mais en plus il fait jour. Ah, oh, j'ai le démon. Tiens, viens là, toi. T'as vraiment un sang de merde, mais c'est pas grave. Ah merde, putain, quel con. Je me suis pas nourri en. Ah, y'a bien un bandit qui traîne là. Une petite biche là. Oh, un cerf! Ok. 8% c'est naze, mais je prends quand même. Hein. Ça veut dire que je peux difficilement faire mieux là. Les arrêtements là. Passer en forme de loup, je vais essayer d'avancer. De retourner dans le. À 9%, c'est pas si vilain ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire du tout. À 1%, ça c'est vraiment naze par contre. Non, 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 viens. Je vais manger, je vais manger là. Bon, de toute façon, dans le cimetière, normalement, c'est no-brainer. Parce qu'il y a l'espèce de brouillard de mort, là. Ce qui pourra clairement aider. Oh, putain, mais j'ai le démon. Mes objets, mon cadavre. C'est honteux. Mais ils ont peut-être par pop remarqué, hein. Là je les vois pas avoir repop devant donc ah ils ont pas repop. Ah très bien. Prendre mon pactage là c'est bien. Non mais faut que je les sabre eux d'abord en prio. En plus, c'est des gros tocards, donc... Ah putain. J'avais pas le pointeur à l'écran. Normal. Mais il est où l'autre con, par contre, là? C'est inadmissible. Bonjour, monsieur Harpril. J'ai dû écrire 3 fois ce message tellement je suis à l'ouest et j'écris n'importe quoi. Au secours. Bonsoir, madame Pivoine. Comment allez-vous? Comment ça, t'es à l'ouest? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pas ça? N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la commande point d'exclamation cadeau pour participer au giveaway et gagner une clé potentiellement de Command & Conquer. Remastered Edition, évidemment. C'est du boy, c'est nul. Ah mais attendez, vous êtes en train de me dire que là, le Gamus fout de ma gueule en mode... Non mais vas-y, tranquille, il faut que tu le traques. Ah oui, il est là que la nuit, peut-être. Ce serait honteux. Elle habite dans le sud-ouest. Hein? Quel rapport? Quelle indignité. Ah, il y en a un là, j'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Il se déplace. Comment ça, il se déplace, ce bâtard? C'est une honte. C'est absolument honteux. Bon, bah... Oh!
Je sais pas, j'avais écrit Monsieur Sieur, après j'avais écrit Bonjour. Enfin bref, oui d'accord. Effectivement, c'est... Dingo, quoi. Peut-être qu'avec la tombée de la nuit, il va repop, non? Je sais pas, hein. J'ai envie d'y croire. Je pense que je crois de la merde, mais j'ai envie d'y croire quand même. En plus, j'ai vraiment senti tout pourri. C'est... Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, c'est un rat. It's a rat. A rat tooth. Comment ça, il se déplace? Tu connais la blague? Allô, votre frigidaire marche? Oui, pas rattrape-le. Bah, lui, c'est pareil. Ouais, c'est clair. Ah, elle prend encore. Elle prend encore. Ah, mais comment ça, il se déplace, ce petit trou duc? Comment je vais faire, moi? J'ai failli cramer l'ordi cet après-midi, on a atteint 96 degrés sur la carte mère. Oh, shit, motherfucking shit! Ah oui, c'est... C'est un peu fort, là, quand même. C'est un peu fort, là, quand même. C'est chaud, fait chaud. Mais le problème, c'est que là, ils vont tous repop en cascade. Et c'est à qui revivre. J'ai oublié. Forgot about that. Ah, j'ai pas pu trop suivre ton live, Ubiwan, parce que j'avais une pote chez moi, donc... C'est compliqué. Il est vraiment temps de remplacer la caisse à savon. Bah oui, bah oui. Bon, c'est des dépenses, quoi. Je vais lui mettre une petite baffe là. Et je roll. Et je roll and get good. Alors quid de l'autre con là? Il va vraiment jamais revenir? Ou alors c'est parce qu'il faut que je le mette en mode track, c'est ça? Ah, mais ce serait honteux. Ce serait pas des manières quand même. C'est tout à fait possible, mais ce serait pas des manières. Oh! Il a eu du pot, hein. Il aurait pu mourir plus vite quand même. Je passe en mode loup, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a eu des drames, là. Il y a eu des drames humains. Mais attendez, je sais peut-être ce qu'il faut pour... Oh, je dois voir ce qu'il faut pour le cercueil de pierre, là, quand même. Pour gagner un peu d'XP, quoi. On va faire un peu l'intendance là. Ah bah voilà, très bien. Les briques, des birquettes. Je sais pas si tu as vu pour les incendies dans le sud-ouest. Bah c'est vraiment vers chez nous. Ouais, j'ai vu. Ils ont coupé plein de routes et évacué plein de... Oh shit. Du coup c'est près de chez tes parents. Parce que toi t'es dans Bordeaux même, non? Je sais plus si t'es dans Bordeaux même ou dans la périphérie. Mais ouais, c'est pas loin de chez vous. J'ai vu les images satellites, ça fait un peu flipper, j'avoue, ça fait un peu flipper. Moi j'espère que pour tes parents en tout cas ça va aller, puis pour toi si t'es dans le coin aussi. Dans Bordeaux ciel. Quoi? Bordeaux chaîné? Rillette de poulet Bordeaux chaîné? Ah non, c'est pas Bordeaux Chenel. J'ai confondu avec Patrick Chaîné, aucun rapport. En périphérie, d'accord. J'ai pas assez de place dans ce truc de merde là, Rêve Skyrim. Ah, j'ai pas. J'ai pas les Rêves Skyrim. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai jamais fait Skyrim. C'est que pour certains c'est un peu la honte, mais j'ai jamais fait Skyrim. Je vais être obligé d'agrandir le château. Non mais c'est pas une vie, c'est pas une vie.
parents sont juste à côté, oui. Je viens d'arriver chez eux, il y a une espèce de nuage horrible. Oh shit. Putain, ça me rappelle quand Noche il avait... J'ai pas assez de place, t'habites un hangar. Oui, non mais quand même. Ça me rappelle quand il y avait les incendies dans le sud là, l'année dernière. Putain, Noche il nous envoyait des photos, c'était flippant. C'était flippant, tu voyais les flammes en fait depuis son balcon quoi, au loin. Tellement cringe quoi. Là tu te dis que t'es peu de choses. Tu dis que t'es vraiment peu de choses. Ok. Non mais l'enfer, ouais bah grave, tu m'étonnes. Et ça évolue comment là? C'est toujours la merde ou... Ou ça se résorbe doucement ou pas du tout? Je t'avoue que j'ai pas trop suivi, j'ai pas vu l'info. À part une ou deux photos satellites, j'ai pas vu grand chose là-dessus. C'est exactement ça, on sent tout petit et démuni, mais c'est clair en fait. Qu'est-ce que tu fous là toi? Mais tu t'es cru chez mamie, espèce de connard? Oh mais oh! Tu t'es cru à la baraque lui? Je passe en mode real bûcheron. C'est toujours la merde parce qu'il y a du vent. Il fait très sec donc super dur de contenir donc ça prend. Ouais. Puis en plus de ça, avec la canicule, ça doit pas aider quand même. Avec la canicule, il fait chaud et sec. Ça va faire comme en Australie là où, où ça finit par par générer de la pluie tout seul quoi. Tous les ans c'est comme ça quoi. Putain shit quoi. C'est quand même bien la merde. Hein. Non mais pas du tout. Ok. Je préfère que 12 des frontières. Ah ouais, putain, faut de la pierre à fond en fait. Qu'est-ce qui me manque là? De la pierre, c'est une pierre. J'en avais quelque part dans un coffre de la pierre, non? Ouais, j'ai que ça, putain, c'est tout, c'est nul. Nul à chier. Ouais, on va repartir pour une séquence de farming chiante comme la pluie. C'est parti, n'hésitez pas à participer au giveaway. Surtout. Ok. Mais tout est à l'arrêt là, y'a plus de boys. Y'a plus de boys, y'a plus rien là-dedans. Mais c'est un monde. Corps de pierre. D'accord. Ah ouais, mais y'a air en fait, y'a plus rien dans les machines. Oh non, il va falloir que j'aille rechercher. De la caillasse de mort là. Il n'y a plus rien qui tourne. Hein. Ok, et bah c'est parti pour aller chercher de la pierre, j'adore. C'est une pierre. Ça va, l'avantage c'est qu'il y en a là partout, donc c'est cool. Ok. Alors. De la caillasse de mort. Commencer à avoir un peu de pierre là quand même. Pierre, présent. Ça caille ouf, ma place. Terrible. Alors, il a quoi lui? 1%. Ah, c'est vraiment la merde quoi.
C'est de la merde. Je passais juste faire un coucou, je pars à la plage, souris, notre souris, des bisous et bonne fin de live. Des bisous, Pivoine, merci beaucoup d'être passé. Et bah bonne plage, du coup, profite bien. Et à la prochaine. Et courage. Courage pour le feu, j'espère que ça va bien se passer. Tiens-nous au courant quand même. Hein. Tout de même. Ah merde. Pas ce que je voulais faire, je voulais pas rusher. Ok. Ah, la meuf elle va à la plage quoi. Elle va à la plage à 20h20 quoi. Non mais c'est... Ah les bordelais c'est un monde hein, quand même. Ok. C'est quoi le A là? Ouf. Ah oui, j'ai bien cassé le caillou. Merde, pas ce que je voulais faire. C'est pas passionnant, hein. Ouais, je comprends. Je suis comme vous. Je suis comme vous, mais il faut de la caillasse, quoi. Voilà, normalement, je devrais avoir assez quand même pour faire deux rangées de plus. Puis recharger un peu les machines. Allez, je pète celle-là, puis après on dit que c'est bon. Hein. Alors, le chasse-tout. Ah, j'ai pas de planche, ok. Ah merde, il va falloir que je mette un bras zéro dehors, sinon ça va être la marde. Ouais, qui a l'air d'avoir un peu d'onde dehors. Ouais, je sais pas, c'est pas clair. C'est tout ce que j'ai en pierre, non, ok. J'ai eu peur, merde. On fait des planches là-dedans? Nah. Est-ce qu'on peut pas avoir des sbires pour aller farmer pour nous? C'est pas possible ça? C'est quand même une honte. Est-ce que j'ai des planches? Ah, ok. There. Hello there. C'est tout ce que j'ai? Non mais attends, j'en avais pas plus que ça les planches. Un sketch? J'en ai pas plus que ça, merde. Ouf ça. Ok. Pourquoi y'a pas de toit là? Est-ce qu'il faut que je détruise ça? Je peux pas faire des murs de pierre intérieure? C'est complètement con! Ah, c'est parce qu'il faut que je mette une porte. Pierre les plantes. Non, non, mais c'est parce qu'il faut que je mette une porte surtout. Je pense. Ah non. C'est pas possible ça. Ah non, faut que je mette un sol. Bah oui. Con. Bruti. Je vais mettre un putain de sol.
Plancher de château. J'ai mis quoi, FK ou des motifs diamants, je sais plus. Il me faut quoi pour ça? De la brique de pierre? Ah, c'est l'essence là qui va me manquer. Ouais. Mais non, mais putain, mais je voulais pas la mettre dehors. Vous avez vu que je voulais la foutre dehors? Et... nouveau cette histoire là? Pour un, ça va me manquer, quoi. Secours. Non mais allô, quoi. Voilà. C'est pas du tout le même motif, mais c'est pas grave. Ok, et donc là je vais pouvoir mettre mon cercueil de pierre. C'est ma chambrée quoi. Ah, il me faut quoi pour le cercueil de pierre? 19 briques de... Ok. Faut que je récupère une brique de pierre. Je suis pas architecte mais poser le lino n'a jamais... mis en place automatiquement le toit. Bah moi non plus mais visiblement le jeu de... Le jeu a une approche différente. Des choses. Ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut aisément comprendre. Ça, c'est ma chambre, ça. Je veux aussi des escaliers, mais il n'a pas d'étage. Ah bon? Magnifique. Je dors. Il y a mon nom dessus ou pas? Non, c'est un truc à la con. Ok. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Je bois un peu d'eau, un verre d'eau précieuse. Okay. Alors. Alors, alors, alors. Ah, je vais aller défoncer le cercueil que j'ai dehors. Hein. Je peux le rentrer. Voilà. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est encore un peu vide, mais on pourra y mettre du stockage, c'est bien. Et on va essayer d'aller tabasser l'autre con, là. Construisez et interagissez avec un cercueil de serviteurs. Ah bah non, attends, on va regarder ça déjà. Moi je fais un cercueil de serviteurs. C'est ça? Ah oui. Lingot de cuivre, essence sanguine supérieure. Comment qu'on fait ça? Dans le pressoir à jus? Faut mettre 4 cœurs intacts. Et j'en ai que 2. Voilà, cette histoire. Ah, j'en ai une. Voilà, parfait. Mettre les petits rats, là. C'est bien. Et donc, il me fallait des lingots de cuivre, aussi. Ça, j'en ai. Hein. Je suis sûr que j'en ai quelque part. Voilà, par exemple. Insérer un humain charmé pour démarrer une conversation. Une conversion. Ah! Utiliser présence dominante pour convertir un humain en serviteur, puis interagissez avec le serviteur. Oh là là, ça c'est des trucs qui me plaisent, ça. Alors comment je fais, du coup?
sortait dans quoi les compétences du perso? Je ne me souviens plus. C'est ça, oui. Ok. Eh ben on va aller chercher un man. Hein. Bon, il y a les bandidos là-bas. Peut-être qu'il faut que j'en prenne un pas trop pourri, c'est ça? Peut-être. C'est un délire comme ça, il faut pas que je prenne non plus le premier laquais qui passe. Sinon c'est la marde. Ah, j'aurais peut-être pu me vider les poches avant de faire ça, c'est pas grave. Comment je fais? Faut que je le tue, c'est ça? Moi, je vais m'en repaître parce qu'il faut bien, mais... Comment je peux faire pour le posséder? Ah, c'est R. D'accord. Baiser vampirique, je lui fais un bisou. Ah, c'est super long. Il me suit. Oh le con. Ok. Ah, mais il faut que je le laisse en vie du coup. Il me suit cet abruti, ça y est. Et viens. Viens, on rentre à la maison. Tu vas passer un bon moment, tu vas voir. Regarde tout ce qu'on peut faire. Merde, 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 shit, mon fucking shit, y'a ses potes. Allez, viens, c'est pas grave. C'est pas grave, ils verront pas. Allez, viens, mon lapin. Ah, du coup, il est un peu nul. Super long. Faut que j'aille prendre un ouvrier si je veux des mecs qui aillent farmer, c'est ça? Là je vais faire un guerrier, mais un guerrier un peu naze. Si je campe là en bas. Bon lui clairement il est casse-couille. Hein. Ah je peux avoir la forme de rat. Rat. Clive l'incendiaire. Ah mais j'ai réussi à faire l'armure, c'est super long. Si tu savais ce qui t'attend. Ah non mais je me doute, hein. Je me doute que ça va être terrible. Ce tombeau sera votre tombeau. J'aimerais bien mais je suis un peu une merde quand même hein, pour aller le tabasser. C'est quoi exposer votre veine, ça sert à quoi? Pas clair. Ok. Puis interagissez avec le serviteur. Ok. Il faut que je me mette un coup de vie là. Tendre la veine, c'est pour nourrir un joueur. Ah d'accord, pour nourrir un pote. Si t'es en coop, je suis pas en coop, moi je suis tout seul. Ok.
Bon, je le sens quand même pas, hein. J'avoue que je le sens pas des masses, quand même. Ah, ça t'affiche le temps, trop bien. Connard. T'es sérieux, mec? Cette crevure immense, quoi. Ok. Let's go. Ok, ok. Reviens. Reviens, brigand. Que j'hésite à attendre de sortir du mode combat pour regagner de la vie quand même. C'est vrai qu'on le néglige trop souvent. Oh, c'est d'une lenteur par contre. Peut-être essayer de boire un coup de schnapps là. Ah, ça c'est peut-être moins contraignant pour regagner de la vie que de boire du sang là. Mais je fais tous les aggros là si je fais ça. Ah non, y'a que lui qui vient, très bien. Bah vas-y, come on bro, come on bro. Aïe, ouf. Parfait. Ouais, il y a quand même du monde, hein. Ouais, il va revenir, il va repop. Je sais pas pourquoi à chaque fois je pars de... De ce côté-là, que je pourrais juste aller derrière lui et lui mettre un le backstab comme un connard. Alors attendez, il y avait des sbires là-dedans aussi. Hein. Ouais, non, ils ont aggro tout à l'heure, ok. Ça va pas le faire tiquer, ça, c'est dommage. Hello there. Bah, t'es sérieux là quand tu fais des trucs comme ça? Tu veux pas venir? Chiant, man. Je me suis pas vidé les poches, je suis trop con. Ah, vas-y, bien. Ah, mais du coup, j'ai attiré l'autre con. Ah, voilà. Ça, c'était sûr, en fait. Ok, ça c'est déjà ça en moins, c'est bien. Ah non, 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 Bart, shit, motherfucking shit. Il est où? Ah, il s'est épais le bâtard. Ok, on peut le dire tout de suite, hein. Il est où? Il est là.
Non mais en vrai ça va, une fois que t'as supprimé les ads, ces petits copains là... Je vais le pourrir, je vais le pourrir. Ce sera long mais c'est pas grave. Hein? Ah d'accord. Il a une P2, assez insup. Ouais bah le jour se lève, c'est bien, ça me dérange pas en soi. Dans l'absolu ça me gêne pas tant que ça. Aïe. Ok, ok, ok. Faut que tu te calmes par contre. Hein. Je te sens très, très hargneux là. Puis c'est très chiant aussi, accessoirement. Non, 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 y'a Mété. Ah non, non, c'est relou. Je crois que je m'éloigne trop parce que sinon ce con il peut se barrer et il peut se heal. Comme font à peu près 100% des boss quand tu te barres à plus de 3 mètres 2. Allez, voilà, bonne chose de faite. En fait c'était pas si dur, hein, fallait juste virer ses potes quoi. Allez, salut. Hein. Cœur intact, alors attends, inventaire plein, faut que je vire des trucs. Que j'ai évité ça parce que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ah oui, alors attendez. Ah oui, du coup, il m'a filé son truc là. Ah, c'est pas mal ça. Okay. Ah, ça me soigne ça? Putain, je savais pas. C'est pas mal en vrai. Vas-y, on peut essayer ça. Hein. Stylé. Ok, je vais aller déposer mes merdes là. Quoique, attendez, je vais aller voir ce qu'il y a dans le coffre quand même. Parce que peut-être que le coffre a repop du coup. Ah non, il a pas pop. Ah, oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est peut-être la dernière fois. Hein. J'essaie de gratter ce que je peux. Hein. Je vois qu'il y a de la caillasse un peu partout, là. Du boys. Du bon boys. Crac. Guerrier 2%. Ah, nul, quoi. J'aurais dû prendre peut-être un mec avec un meilleur pourcentage pour faire en serviteur, parce que là j'ai peut-être vraiment fait une baltringue quoi. Ouais, il pue. Hein. Il pue globalement. Il pue les gars. Pas terrible. Hein. Aïe. Aïe, y'a Mété. Mais les coulisses, ça arrête. Le nounours. Les loups. Aïe. 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 Votre maternelle, j'ai mal. Ok.
Arrête, 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 y a été. Alors, il faut que je vide mes merdes, là. Il faut que je remplisse ces coffres avec toutes mes merdes. C'est important. Fondamental, même. Putain, si je voulais une organisation, c'est fini, hein. Il faut quoi pour refaire un coffre? 6 planches de lingots de cuir, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, il m'a donné les plans. Attendez, parce que j'ai encore des merdes là, les pommes de pin, là, je sais pas ce que je peux en foutre. Ok. Ok. Cercle de serviteur, il fallait quoi? Genre, je peux en faire un deuxième limite. Hein. C'est dans quoi déjà? Papier peint. Oh! Mettre des tableaux et tout. Sans rouge, donc. Non, tu peux pas. Comment ça? Ah oui, putain, c'est vrai qu'il me fallait le truc. Le sang pur là, je sais plus quoi. Domination, je crois. De quoi? Présence dominante? Bon, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Je ferai un dortoir là-dedans. Deuxième onglet dans domination. Ah oui, d'accord. Okay. Pour la construction. Ok, ok, ok. Vivano du crépuscule. Ah oui. Eh oui, j'en suis très fier. Merci beaucoup Justine pour le resub, la grosse moulaga. Merci infiniment Justine, j'espère que tu vas bien. Enfin malgré les déboires. Avec l'autre con là. L'autre con qui lèche ses lunettes pour les nettoyer, envie de vécre. Ces gens n'ont pas d'âme. Hein. Ce mec en particulier n'a pas d'âme. Deep and top. Ça va malgré tout, un mal pour un bien. Certes, certes, c'est vrai que t'auras pu à t'occuper de l'autre con là. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même. Hey, c'était vraiment un porc. Hein. Il s'appelait pas Pourceau pour rien. Encore chercher du boulot, bah c'est ça. Hein. Toujours la même embrouille. Los embrouillos. Oh, on m'a pas donné de trucs à. C'est dommage ça. Mais au moins j'aurai le chômage cette fois donc ça va. Oui, certes. Puis tu vas avoir la prime de. Enfin, le truc de précarité là où tu récupères 10% de ton salaire brut, je crois. Sur le dernier mois, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal en vrai. Ça te fait un pourliche. Ça te fait un pourliche pas vilain. Ok. C'est pas mal ça, hein. Oh la vache, ça coûte la peau du cul. Eh bien, l'édition, je crois que c'est un secteur bien moisi. Ah bah ouais, il commence à y avoir des signes. Ah mais je peux en faire de la pierre aiguisée, mais qu'il est con ce Libanais. Qu'il est con ce Libanais, c'est quoi ça? Pierre le fléau. Vous avez vu le numéro vert du gouvernement, le numéro canicule? Ah non, j'ai pas vu ça. Ils adorent les numéros verts, le gouvernement. Ils ont une vraie passion pour ça, c'est incroyable. Ok. ...0800-06-6666. Oh les cons, putain. Une erreur à pas faire, quoi. Vous aviez un truc à faire. Véridique. Oh merde. Oh mais merde, quoi.
ça, sinon je peux faire ça. Plus de puissance des sorts. Après ça c'est bien, mais il me faut une essence supérieure. Je sais pas si j'ai de l'émeraude. Pas que j'ai de l'émeraude. Un cœur exquis. Ah mais j'ai pas la recette pour le faire, d'accord. Je n'ai que deux cœurs intacts. Mais non, bah visiblement si. Hein. Putain, je les déteste, je les déteste. Alors il me fallait du lys éploré là et de la poussière de tombe. Je suis à peu près sûr que j'ai tout ça. Faut juste que j'arrive à trouver où j'ai rangé ma merde. Ok. Elle est où la poussière de tombe? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ok. C'est quand même pas des flèches, hein. Ils ont quand même pas inventé l'eau tiède des fois. C'est ouf, quoi. Sport de clairon infernal. Ah, j'ai une émeraude, ouais. Je vais pas aller loin avec ça. Ok, je vais faire le... Je vais faire l'autre, celui-là, voilà. Pas trop vilain, en vrai. Hein. L'empire d'arpenteur de la nuit. Ah, mais ça, je peux faire, par contre. Cuir et fil grossier. C'est à ma portée, ça. Faut-il encore que je retrouve dans ce merdier? J'ai pas que ça en cuir, rassurez-moi. Non, ok. Tiens, puis on va refoutre de la peau, là, aussi. De la peau de bête. Ok. Putain, il va encore falloir que j'aille rechercher de la pierre au secours. Ah, il y avait du fil là. Vu. Ah, mais il y en a plein là, ok. J'ai plein de cuir. C'est un cœur souillé, ça? Ouais, dommage. Non, c'était pas la broyeuse, c'était la tannerie. Ok. Allez, zou. Putain, ça va vite, hein. Et du coup, t'as vu pour la broyeuse? De quoi la broyeuse? Ah, pour faire de la poussière de tombe. Ah oui, avec des os, d'accord. Je me suis vraiment fait chier pour rien. Ah, je regarde pas assez les recettes, quoi. Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Il fallait de toute façon que j'aille casser la gueule à Jean-Michemuche, donc. Putain, j'ai pas fait les bonnes. Ah non, mais j'en ai qu'un de plus. Oui, d'accord, c'est naze, en fait. Ok, je l'ai fait pour rien, c'est pas grave. Et là concrètement, faut que je fasse quoi? Il faut que je retourne casser la gueule à des mecs, c'est ça? Bon, je vais déjà faire une pause pour aller uriner parce que là, je vais me pisser dessus bientôt. Ok. Pause, hein, petite pause. Hop. Et bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite.